J'ai utilisé les mêmes mots qu'a utilisé Stéphane Piatzek, le scénariste, pour me vendre le projet. Et moi j'ai un peu signé sur le pitch aussi. C'est l'histoire du dernier roi des mendiants. C'est l'histoire du dernier roi des mendiants, c'est sous le règne de Louis XIV. Et donc c'est l'histoire de la fin et le démantèlement de la Cour des Miracles sous Louis XIV. Et donc et ça a réellement existé. Parce que la Cour des Miracles élisait un roi à chaque génération. C'était un régime assez démocratique à son échelle, on va dire. Et voilà. Et Anacréon est donc le 84e roi des mendiants. Et le dernier. C'est romanesque au possible, quoi. Et ça se passe chez les gueux, donc c'est chez les défavorisés. Des gens qui essaient de survivre tant bien que mal. Et oui, c'est profondément romanesque, quoi. Il y a quelque chose de crépusculaire là-dedans, quoi. C'est déjà des gens qui n'ont pas une vie facile. Et que le régime gouvernemental va rendre encore plus dur. Donc oui, c'est super intéressant. C'est l'avantage, c'est que des gueules cassées, quoi. C'est des mecs qui vivent dans la rue, dans des conditions très dures. Donc voilà, on est loin des héros lisses et parfaits, aux muscles saillants et luisants. Donc voilà, non, on a affaire à des mecs qui n'ont pas un régime alimentaire très sain, qui dorment dans la rue, qui voilà, c'est que des gueules cassées, quoi. C'est désédentés, enfin voilà, des Et pour moi, en tant que dessinateur, c'est génial à dessiner. Moi, je préfère infiniment dessiner un petit vieux de 70 ans plutôt qu'un belâtre au trait lisse. Il y a plus de traits. On peut plus pousser les personnages dans des choses un peu particulières, on va dire. C'est arrivé relativement récemment dans ma courte carrière, on va dire, où j'ai l'occasion de pouvoir traiter des personnages assez hauts en couleur, assez attaqués. Pour le dire, et moi je trouve ça génial, hein, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Donc toujours pareil, c'est la magie de la BD, on va dire, c'est qu'avec les mêmes matériaux, on peut tout traiter. Et voilà, après il y a le facteur temps évidemment, mais bon voilà, on peut traiter de sujets d'époques très différents, de personnages très différents aussi les uns des autres. Et moi ça me pousse à trouver d'autres techniques de dessin aussi pour représenter au mieux ce que le scénario me donne. Ouais, ça. Une fois, c'est inspiré de l'histoire. Donc oui, il y avait différentes guildes au sein de la Cour des Miracles et des trucs géniaux. Enfin moi, j'avais comme beaucoup de gens, j'avais une vision assez lointaine de la Cour des Miracles, c'est-à-dire celle qu'on voit dans le bossu de Notre-Dame, etc., etc. Sauf que derrière ce chaos apparent, c'était assez organisé et il y avait une quinzaine de sous-catégories, on va dire. Et donc oui, on avait ce qu'on appelle les drilles, qui étaient une sorte de mousquetaires du chaos, des mecs qui se grimaient en mousquetaires pour agresser les gens dans la rue. Il y avait les faux handicapés, donc d'où l'appellation de la Cour des Miracles. Voilà, pour représenter un peu la Cour des Miracles, l'appellation de la Cour des Miracles. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens dans la Cour des Miracles qui étaient des faux handicapés. Donc il y avait des fausses jambes de bois, qui avaient des faux pustules, enfin voilà, des faux bossus, etc. Et ces gens-là se réunissaient le soir dans une place, et à cette place qui était une cour, ils enlevaient leur accoutrement d'handicapés. Et là, tout d'un coup, tous ces personnages étaient guéris. Les bossus n'étaient plus dessus, les blessés n'étaient plus blessés, et les pustuleux n'étaient plus pesteux, enfin voilà quoi. Et du coup, on a appelé ça la Cour des Miracles, parce que subitement, ces gens-là, tous les jours, à la même place, ils guérissaient de leurs maux et maladies. Et donc ça donne une galerie de personnages absolument incroyable entre ceux qui se faisaient passer pour des mousquetaires, ceux qui se faisaient passer pour des handicapés, les vrais handicapés aussi mine de rien, parce que oui c'était une zone où les handicapés étaient malheureusement rejetés, les enfants des rues, les simples voleurs et tueurs même, parce que c'était pas détendre, hein. Donc il y a eu toute une faune de la Cour des Miracles qui est passionnante à représenter, hein, c'est clairement. Je me suis plus attardé sur les représentations de l'époque. C'est-à-dire que effectivement Victor Hugo en parle, mais surtout des gravures en fait qui sont dans l'époque. Et ça m'a plus servi de base que, on va dire, le bossu de Notre-Dame de Disney, hein, pour faire. Sachant que ces représentations-là sont déjà des versions fantasmées de ce qu'était la Cour des Miracles. Donc voilà, il y a un juste équilibre à avoir entre l'image que s'en fait l'imaginaire collectif et sa propre représentation aussi, parce que moi aussi je sélectionne là-dedans ce qui m'intéresse le plus. On n'est pas dans une version très glamour, on va dire, de la Cour des Miracles, quoi. On a voulu se référer quand même à un côté
En tout cas, visuellement, un côté un peu plus historique, ouais, ça. Ça va. Mon bien-aimé scénariste m'a fourni assez de documentation pour que je sois pas trop paumé. Donc, en fait, ça va. Ça va, ça va. C'est encore une fois, pour toutes les la documentation pré-photo, on a affaire à des peintures d'époque, à des représentations qui sont elles-mêmes des interprétations du Paris de l'époque. Donc voilà, c'est. Mais il y a quand même de la doc. J'ai été plus en difficulté, par exemple, sur un de mes précédents projets qui était le tombeau d'Alexandre, qui se passait en Égypte au 19e siècle, où là, vraiment, les sources étaient vraiment disparates, quoi. C'est le Paris de cette époque de Louis XIV, justement. Disons que les peintures représentaient plus souvent la royauté que les bas-fonds, mais on a quand même quelques sources. Ouais, ça. Après, j'essaie de servir au mieux le scénario. Après, oui, il y a un point jusqu'auquel on peut aller, et qui est assez subjectif, on va dire, quoi. C'est, moi, j'essaie de pas faire sortir le lecteur de la lecture, justement. Je sais que si on va trop loin dans la cruauté ou dans, bah, justement, dans le fait de montrer frontalement des actes terribles, peut y avoir un mouvement de recul, enfin, voilà, de la part du lecteur et même de moi, si j'ai à représenter certaines choses. Donc voilà, je pense qu'on peut. La suggestion aussi peut être très forte sur certains points. Et bon, on parle d'un milieu qui est dur, qui est vraiment dur. Donc on ne peut pas passer à côté de certaines choses qu'il faut montrer. Et voilà, mais c'est un équilibre à trouver là-dedans. Ouais, ben, elle est clairement à part dans l'univers. Hein, c'est vraiment. Mais c'était un début, oui. Effectivement, c'est la seule femme importante, du moins dans le premier tome. Et elle se démarque aussi par. Par ses capacités intellectuelles et physiques, enfin voilà quoi. La Cour des Miracles est jusqu'à présent, jusqu'au 84e roi, un régime démocratique. Entre guillemets, on vote pour le roi. On vote pour le roi. Et le roi en place, Anacréon, est pas forcément chaud pour qu'on reste dans cette configuration-là. Voilà. Et bon, voilà, c'est un des thèmes aussi. Est-ce que, ben voilà. Oui, alors il aime beaucoup son fils, hein, le roi Anacréon. Hein, mais est-ce que son fils doit devenir le prochain roi de la Cour des Miracles? Est-ce que c'est raccord avec l'idée que se font les différentes guildes de la Cour des Miracles? Pas sûr. Donc voilà, c'est peut être source de conflit aussi. Alors, à débattre entre l'éditeur, le public et tout ça. Normalement, il devrait y avoir, si tout se passe bien, un premier cycle bouquin en 3 tomes. Alors on verra, il y a des projets à droite à gauche et tout ça. C'est difficile de se projeter plusieurs années en avance, donc je sais pas. Déjà, on voit la réception du bouquin et après on avise en fonction. Ouais, j'alterne. Là, je suis sur la première moitié, j'arrive à la première moitié du troisième tome, donc que je dois finir pour. Dès que je finis le troisième tome de Stern, j'alterne sur la Cour des Miracles, etc. etc.